Oui, mais ça y est, c'est Naka, on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Il y a le clip des Worlds Gods feat. New Jeans. New Jeans, un groupe de K-pop qui nous vient tout droit de Corée, du coup, évidemment. New Jeans qui veut aussi dire nouveau pantalon. Et pourquoi je dis n'importe quoi? Parce que je viens de me réveiller, il est très tôt. Enfin, très tôt. 9h40, il est très tôt pour un YouTuber. Donc, on va react à tout ça. Je sais pas si je vais me faire strike la monétisation pour la musique et tout, on s'en fiche, on est là pour réagir. On va d'abord faire une première écoute, tranquille, sans mettre de pause. Et après, on reviendra là-dessus. Si j'ai bien compris, alors attendez, avant de se lancer, pose le contexte. Clip des Worlds, si j'ai bien compris, on suit l'histoire de Deft, du joueur Deft, dans le clip. Et sans mettre spoil la musique, mais en ayant vu quelques réactions sur Twitter, quelques personnes disent que c'est mieux que Rise, qui est vu comme la meilleure musique des Worlds ever. Et d'autres personnes disent que c'est deuxième juste après Rise. Donc elle a plus ou moins fait l'unanimité, donc j'ai hâte de voir ça. C'est parti. Ok. Ok. Le clip est fou aussi, hein. On reviendra dessus, mais... Ok. C'est très bien, c'est très très bien. Oh, c'est très très bien, c'est très très bien. Je suis choqué. Oh, Renata, marrant. Le clip est fou. Oh, Faker, c'est Faker. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est lourd, c'est lourd. Ah ouais. On tient un gagnant, hein. Yes. Bah écoutez, ah, il y a un after, pardon. Qu'est-ce qui se passe après? Ok. Bon, alors moi j'ai pas toutes les refs e-sport, hein. Je suis pas chauvis, ok. Je connais pas tous les noms qui s'affichent sur les maillots, mais j'en connais pas mal. Et c'est très stylé. Ok. Waouh. Ok, est-ce que ça barre Rise? Pour moi, je pense que oui. Hein.
Pour moi, c'est au-dessus de Rise. Et en vrai, je suis content parce que putain, tous les gens qui disaient sur Twitter, oui, mais si c'est chanté par des meufs, ça peut pas être aussi épique. Non. C'est très 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 bien. Le clip, il est fou en lui-même. Le clip aussi, hein, il est ouf. Il m'a presque donné envie de rejouer à League of Legends. Il me donne envie de lancer des games. Peut-être pas des ranked, mais il me donne quand même envie de lancer des games de LoL. Par contre, vraiment, le nombre de références... Déjà, bon, les références e-sport, j'en ai pas 15 000, mais j'en ai un petit peu. Mais le nombre de références à des champions et tout qu'il y a, il y en a encore plus que dans Rise. Et c'est très stylé. Et d'ailleurs, il y a des champions un peu récents comme Renata et tout. C'est très cool. Le clip est très beau. Là, il y a même le... Attendez, on voit pas parce que je suis devant, mais... Même la main de Renata, ils ont poussé le truc, ils ont pas mis que l'arme, ils ont mis aussi la main. C'est très stylé, il y a vraiment plein de détails. Je pense que c'est le genre de clip, déjà je vais l'écouter plein de fois la musique parce qu'elle est vraiment épique. Et je pense que même le clip, je vais le regarder plein de fois pour aller voir des... ça c'est le canon de Graves, pour aller voir toutes les petites refs à des champions. Là on a un petit truc T1, la Ward, c'est la Ward, est-ce qu'il y a T1 ça d'ailleurs je crois. Mais très 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 stylé. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Vous me dites en commentaire mais... Du Red Bull, ah, évidemment, le petit placement de produit. Oh, mais là même... Attends, mais ça, c'est un teaser de Jinx de l'époque. Avec le même de l'Overly Attached Girlfriend, il y a Jinx et Vi. Ok, attendez, en vrai, j'ai juste envie de faire ça un petit peu dans la vidéo. Bon, ça, c'est Z. Tac. Le baron Nashor, j'essaie de trouver vite fait des petits trucs. Bon, le Blue Buff, des trucs classiques. J'ai envie de regarder vite fait si je trouve des petites refs. Ça, c'est quoi? C'est le marteau de Jace. Gun de Lucian. Ils sont sur le stage des Worlds, c'est Reckless ou je dis une connerie? Attendez, on voit peut-être son maillot. Reckless, oui, c'est Reckless. Qui joue quoi? Kennen? C'est Kennen. Hop. Canon de Graves, le lampadaire de Jax. On a Syndra. Ah, mais attends, Syndra aussi, lui, on fait des mains cheloues. Marrant. Le bouclier de Braum, bien sûr. Boum, 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 boum. Renata, on l'avait vu. Draven. Donc Deft c'est un ADC, c'est ça? Je m'y connais pas. Donc on voit Deft qui utilise plein d'armes d'ADC. Alors le clip de Rise était peut-être mieux structuré, on va dire, dans le storytelling du parcours d'un joueur où on voyait vraiment Ambition, je crois, c'est ça, qui avançait petit à petit contre des adversaires un peu iconiques de sa carrière et tout. Là c'est un peu plus fouillis, il y a un peu plus beaucoup de gens qui se mettent sur la gueule, mais ça reste quand même très cool, puis on voit plein de champions et tout, donc c'est hype. Ouais, y a plein de combats et de trucs stylés. Voilà, Caitlyn, Victor, le Victor de... Ah oui, alors il y a une... À un moment, je crois que Faker, il fait une sorte de boule de magie. Attendez, je vais baisser le son, sinon ça va... Ah non, ok. Je crois qu'il arrivait en mode Rise et qu'après, il switchait sur Victor. Il arrive direct en Victor, ok. Oh, la musique est très très bien. C'est quoi c'était... Ça, c'est un portail de Bard, ça. Ah, c'est ça. Mais les détails sont ouf. Les détails sont ouf, j'avais pas capté. C'est un portail de Bard. Bon, il y avait Karma aussi. Mais regardez. Portail de Bard. Hop, et on voit en fait là le support, dont j'ai pas le nom. Il a la corne de Bard dans laquelle il souffle. Et Pédatrox, bien sûr. Le bâton d'Azir. Et la lance des Karim, évidemment. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres rêves? Je crois que c'est la fin. Voilà. Bah écoutez, très 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 cool. Bah je vais le foutre dans ma playlist, évidemment. Cet hymne des Worlds. Gods. Très très chaud. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, je pense que tout le monde a plus ou moins aimé. Dites-moi s'il y en a qui n'ont pas aimé aussi, c'est intéressant. Mais est-ce que ça bat Rise pour ceux qui ont aimé pour vous? Ou est-ce que c'est juste en dessous? Ou est-ce que c'est encore un peu plus bas? Je sais pas, mais moi, perso, pour l'instant, c'est ma préf. Je la mets au même niveau que Rise. Je saurais pas dire si c'est mieux, mais je la mets au même niveau. Voilà, des bisous, passez une bonne journée, et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.